Le procès de 20 personnes, dont deux Français accusés d'avoir planifié de renverser et d'assassiner le président malgache André Rajoelina, s'est ouvert lundi dans un climat tendu au tribunal d'Annecy dans la capitale Antananarivo. Un dispositif policier composé d'une soixantaine de personnes quadrillait la salle. Les accusés dans le dossier Apollo 21 sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et complot en vue d'assassiner le président. Selon la procureure, ils auraient échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation de diverses personnalités malgaches. Depuis leur arrestation fin juillet, certains accusés ont été placés sous contrôle judiciaire, d'autres en prison. Les avocats de la défense dénoncent un procès inéquitable et demandent l'annulation des charges.